l'échelle, je vois des poivrons de toutes les couleurs, rouge, jaune, vert, des petites courgettes. Là, tout ça, ça a l'air très appétissant. On va parler de cuisine espagnole aujourd'hui. On va cuisiner des classiques avec en entrée des piquillos farcis, ce poivron qui vient du nord de l'Espagne. Et ensuite, en plat, la fameuse paella que je vais changer un peu. Je vais y rajouter les homards à la place des moules. Et en dessert, le turrón préparé en glace. On va se régaler. En tout cas, j'ai l'impression qu'il va y avoir des assiettes très colorées ce soir. Pour Michel Roth, l'essence de la cuisine, c'est l'importance accordée au produit, à ses saveurs, à son terroir. Et en la matière, l'Espagne offre des produits d'exception travaillés dans ces régions depuis des siècles. Avec ce menu, Michel Roth nous dévoile quelques-uns des trésors de la cuisine ibérique, fruit d'une histoire pour le moins tumultueuse. Ce sont d'abord les guerres qui façonnent sa cuisine. Pendant 800 ans, les rois catholiques et musulmans se disputent la péninsule. Les produits et les plats voyagent alors au gré des déplacements de population. Mais ce sont les apports extérieurs qui bouleversent le plus durablement son paysage culinaire. Territoire pauvre, l'Espagne tire dès le 15e siècle ses richesses de la mer. À la suite des marins basques, les Espagnols lancent des navires tous azimuts pour exploiter l'or blanc, la morue. Et surtout, les explorateurs rapportent dans les cales des caravelles des produits du Nouveau Monde inconnus jusqu'alors. Tomates, poivrons, fèves et chocolat. Il faut attendre le XXe siècle pour que les habitants de la péninsule ne reconnaissent l'extraordinaire patrimoine culinaire qui s'est développé à l'intérieur de leurs terres. Jambon ibérique, gazpacho, tortilla, piquillos farcis, certains plats finissent même par acquérir une renommée internationale, comme la paella. Alors, Michel, voici les homards. On va donc commencer la préparation de notre plat, la paella. La paella avec les fameux homards pour remplacer les moules. Donc, homards bleus, ils sont beaux. Hein. Et donc, on va les plonger dans le courbouillon qui a déjà cuit avec des légumes, du vin blanc, du vinaigre, du sel, du poivre. Et on les cuit combien de temps dans le courbouillon? Il y a deux cuissons. Là, on les pré-cuit pour justement les tuer et pour stabiliser le homard. On va les laisser 3 minutes à l'ébullition. Ensuite, on va les ressortir et on les fera cuire à la poêle avant que les invités arrivent. Ah, je vous sens très concentré sur la cuisson de vos homards. Oui, c'est précieux. Disons que c'est précieux et c'est vraiment un mets délicieux quand il est bien préparé. Donc, il faut porter de l'attention. On peut les sortir? On va les sortir donc, à l'aide d'une cuillère, comme ça. Hop. On va les plonger dans de l'eau glacée. Ouais, c'est un beau rouge corail là qu'ils ont pris. Oui, c'est incroyable parce qu'ils sont bleus et là ils sont tout rouges. Voilà, donc après, on va les égoutter. Par quoi on commence à tarder? Dites-moi. Alors, justement, la pince d'abord. Pince. Normalement, ça part tout seul. Hein. Ouais. Un beau homard. Et ensuite, hop, on tourne comme ça. Tourne et je tire. Un peu de force. Voilà. Ah, super. Oh, en plus, beau. Il est beau. Là. Ça se détache très facilement. Oui. Non, mais quand c'est pré-cuit comme ça, il n'y a aucun problème. C'est parfait. Ben, on va s'occuper des têtes pour réaliser notre sauce. Donc, on va prendre les têtes comme ça. Oui. On va enlever alors, ça. Vous détachez la carapace du dessus. Voilà. Là. J'enlève tout ce qu'il y a à l'intérieur parce que tout ça, c'est bon. Impeccable. Donc là, je réserve tout ce qui est dans la tête. Hein. J'enlève tout, même la petite partie noire. En fait, ça, c'est le corail. Là, c'est pas encore assez cuit. Mais quand ça cuit, ça devient rouge. Et souvent, on fait des farces avec. Là, on va au fourneau et on va lancer cette sauce. Une sauce corsée? Oui, c'est une et sauce corsée. Ça commence à se saisir. Là. Oui, j'entends. Donc là, vous voulez vraiment récupérer tout le jus, hein. C'est voilà. Ça. Hein. En écrasant un peu. En écrasant un peu, voilà, ça va rentrer dans le... tout à l'heure dans la sauce justement qui va prendre un goût de homard. Alors les échalotes que j'ai émincées. Échalotes émincées. Dès que c'est bien chaud, que c'est bien remu, je vais flamber. Avec un alcool particulier. Le cognac. Oh. Voilà, c'est là toujours on flambe. Impressionnant, hein. Ah ouais, c'est toujours. C'est beau, hein. Ah ouais. C'est l'alcool qui s'évapore, on en prend plein le nez. Donc derrière, on va mettre le fumet tomaté. Ah,
dessus. Ajouter une belle couleur rouge encore. Oui. Donc là, on va juste aller jusqu'à hauteur et on laisse cuire une petite demi-heure. Donc Caroline, là, ça cuit, ça mijote doucement, ça se parfume. On va laisser tranquillement sur le feu doux et on va s'occuper des queues et des pinces. Un filet d'huile d'olive, un peu de beurre. Toujours, moi, je mets les deux, l'huile pour saisir, pour donner du goût, et le beurre aussi pour nourrir. Mmh. Là, c'est du beurre qui est fondu, clarifié. Donc, voilà. C'est bien chaud, poêle bien chaud. L'huile chaude. Est chaude, le beurre est fondu, on y va. Mmh. Donc là, en fait, on les poêle, on les saisit, on les... Donc là, on termine la cuisson quand même. Ouais, hein, ouais, on termine la cuisson. Mmh. Donc là, voilà, on les fait saisir, on finit la cuisson. Donc en tout, on compte, comme on a dit, 3-4 minutes. Moi, je ne me lasse pas de vous regarder faire ce geste. Hein. Je pourrais vous regarder des heures entières arroser comme ça. Donc là, on va les réserver. Et on va pouvoir passer à l'entrée. On va pouvoir passer aux piquillos. Et les voilà, mes piquillos, que j'ai fait mariner il y a 24 heures. Pour faire des piquillos marinés, j'ai d'abord brûlé mes poivrons sur le feu pour enlever la peau. Je les ai plongés dans de l'eau glacée pour arrêter la cuisson. Je les ai égouttés, épluchés, et je les ai disposés dans un plat. Ensuite, je les ai mélangés avec des petits piments, des échalotes, de l'ail, du basilic, de la poudre de piment et du thym. J'ai recouvert d'huile d'olive. J'ai bien mélangé et placé mes piquillos dans un bocal avec la marinade. Et j'ai laissé macérer pendant 24 heures. Alors, je vais ouvrir. Qu'on va faire, on va déjà enlever. Oh, ils sont super jaunes. Oh là, quelle couleur incroyable, ce rouge. Rouge. Hein. Alors, ce qui est bon, c'est que ça parfume bon. les piquillos. Mmh. Ça les a attendris aussi, cette marinade. C'est aussi le but de la manœuvre, comme on dit. Donc là, on les laisse s'égoutter. Voilà, on va bien les laisser s'égoutter. Et pendant ce temps, on va faire la farce pour les garnir tout à l'heure. On va utiliser l'huile d'olive de la marinade. Ça va être bien, ça. C'est une bonne idée. C'est vrai que des huiles comme ça se perd pas. Hein. Ah, oui, on peut oui. les réutiliser à l'infini. Ah, bah oui, pour ça. Faire mariner d'autres choses, des fromages de chèvre. C'est très bon, mec. Là, on va rajouter la petite bournoise de courgettes qu'on a faite ce matin. Mm-hmm. C'est des tout petits. Et ça cuit plus vite, du coup. Ah, oui, ça cuit plus vite. Oui. Allez, hop, un tour de poêle. Ça va bien. Donc là, on va mettre la tomate. Les pignons de pin grillés. Mmh. Ah. Comment Salut ça va, Igor? Tu vas bien? Bonjour. Plaisir. Caroline. Bonjour. Salut. D'accord. Alors, Igor, Cortador, grand trancheur de jambon. En fait, pour ma recette de PQ, je voulais le meilleur jambon et aussi qu'il soit tranché de la plus belle des manières. Mmh. C'est pour ça qu'il est là, mon cher Igor. Hein? On va essayer. Qu'est-ce que c'est comme jambon, Igor? Bon, c'est un jambon ibérico de bellota. Ici, la France est connue comme pata negra. Pour moi, les choses que je vais vérifier normalement, c'est que la gras. Oui, il faut qu'il y ait du gras. C'est comme ça, on tu peut peux presser. Dedans, c'est ça. Voilà. Ah ouais, ça doit être souple, c'est ça, sur le doigt. C'est comme s'il y a des liquides à l'intérieur, que c'est de l'huile. Ah oui, l'huile essentielle. C'est drôle. Que la pâte, c'est fine, comme un danseur. Comme ça. D'accord. Et ce fameux geste alors de cortador, hein, de coupeur de jambon, c'est ça? On prend un couteau comme ça, que c'est le couteau jamonero. Oui, qui est un peu flexible. Donc est firme, mais flexible. Ouais, ouais. Donc ça c'est le geste. Et on finit ici. Donc il coupe dans demi-cercle. D'accord. Au panthéon du jambon, le jamon ibérico est incontestablement aujourd'hui l'un des plus prisés. Depuis des siècles, les porcs ibériques peuplent les régions à la frontière entre le Portugal et l'Espagne. Ceux qui se nourrissent exclusivement de glands de chêne font la saveur recherchée du jambon bellota, le mets incontournable des fêtes espagnoles. Il est le résultat d'une longue tradition d'affinage et d'une alchimie subtile de trois éléments, le sel, l'air et le temps. Comptez au minimum entre 32 et 40 mois d'affinage pour pouvoir déguster ce jambon d'exception. Comme du beurre, c'est oui, exactement c'est ça. Oh là là. Oh.
plus, c'est le geste. En fait, ça, c'est ce que je peux utiliser pour mettre dans la farce. C'est ce que je pensais, parce que justement, il y a le gras et la chair. Voilà. Ça va donner vraiment ce côté lion. Il y a le côté gras, il y a tout le goût du jambon. Ça va sublimer la farce, comme je l'ai dit. Je suis comme un petit gamin, là. Je suis super content. Merci, Igor. Et quelle est la meilleure partie pour la recette de Michel qui va donc entourer les piquillos? Bon, je vais donner la meilleure. Ah. Vous goûtez? Michel, les goûts. Oui, mais on en a plein. Ah oui. Les rondeurs, longueurs. Les rondeurs, il y a tout. Et c'est comme les vins. Il y a des rétros aussi. Oui, la rétro-olfaction. Ça reste en bouche, c'est puissant en plus. Ouais. Oh, comme c'est beau. Voilà, mon cadeau. Ah, c'est le cadeau. Merci. Elle est belle, hein? Ah ouais. C'est bien le côté persillé. Persillé, juste qui rentre complètement dedans. Là, on comprend bien la découpe, graisse. Elle est jolie, hein. La transparence, on comprend bien comment le gras a infiltré la viande. Hein. Oh là là. Ça, je peux déjà même essayer avec ceux qui sont mariés. Ça pourrait être. On pourrait faire ça un peu plus. Ah oui, c'est beau. Hein. Merci beaucoup, Igor. Je te remercie vraiment. Hein. Grâce à toi, on va se régaler. Et... Merci, Igor. À la prochaine. À très bientôt. Je te raccompagne. Allez, à bientôt. Michel, on est en train de préparer notre paella. Et là, on s'attaque à la cuisson du riz. Alors, un petit fond d'oignon, c'est ça que vous faites fondre dans l'huile d'olive? Oignon haché, ail haché. Mm-hmm. Alors ensuite, on va mettre les sèches. Que vous avez si joliment coupé. Oui, en lanière. Donc notre riz est prêt. Mmh. Ah là, donc, ça va être moment sacré. Ah ouais, oui. On va verser le riz. Je sens que vous allez vouloir reprendre les choses en main. Je connais. Là, on va le jeter en pluie, comme on dit. Voilà. Là, on va bien remuer. Mmh. Dans l'espace de 1 ou 2 minutes, là, le riz va devenir nacré, quoi. Et c'est là qu'il va rendre son amidon. Donc on voit le petit grain tout petit blanc à l'intérieur, c'est ça? Ça, il faut toujours le faire, c'est très important. Comme si on faisait un risotto. Un risotto, le départ hein, est pratiquement sur les mêmes bases. Il y a deux cuissons, hein, c'est ça. C'est voilà. La première, il s'agit de nacrer le riz, et ensuite de l'hydrater et exactement. De faire gonfler. Et on va rajouter les pistils de safran, parce que ça aussi, ça fait partie de la recette de paella. Pour les mélanger. Donc là, il commence légèrement. Ça accroche un petit peu. Donc là, on va porter. On va amener de l'humidité avec la tomate. Et donc là, il va se nourrir de jus pour pouvoir gonfler tout à l'heure. Là, on va rajouter le fumé de poisson. Et. Fumé de poisson. Alors, il y en a qui mettent de l'eau, bien sûr, tout simplement. Moi, j'aime bien quand même parfumer. Là, on est vraiment sur une paella de la mer, hein, quand même. Ah oui, complètement. Et là, je rajoute le jus d'homard que j'ai préservé de la cuisson des têtes de homard. Et là, après, on va laisser cuire. Normalement, on n'y touche pratiquement pas. Alors, on va passer au dressage de l'entrée. Donc, les piquillos ont été farcis avec les dés de jambon bellota qui ont bien parfumé les piquillos. Et on va les entourer. Ah oui, vous remettez les petits chapeaux. Voilà, les petits chapeaux pour faire le plus naturel possible. C'est le produit avant tout. Voilà, votre petite salade, c'est quoi, Michel? Du pourpier, des petites pousses de pourpier. Ah, c'est magnifique. Ça, c'est une basilic frit. Je vais remettre une feuille, une belle, comme ça. Le coulis de poivron vert. Le poivron vert. Magnifique. Ok. Bon, bah écoutez, il va être temps d'aller accueillir nos invités. Oui. On y très va bien, on y va de suite. Présente nos invités. Donc Frédéric Duhart, vous êtes anthropologue de l'alimentation. Oui, exactement. Bonsoir.
José Darossa, vous êtes importateur de jambon ibérique depuis 20 ans à Paris. Oui, avec un pays principal qui est l'Espagne. Juan Manuel Belver, vous êtes journaliste gastronomique d'origine espagnole et vous êtes basé à Paris. Oui, exactement. Il y a un critique gastronomique à table, de la passion. Hein. Ça risque de noter sévère. en tout cas, tout de suite. Caroline. Merci. Voilà. C'est magnifique. Je pense que vous allez tout de suite reconnaître. Ce sont des véritables piquillos. Oui. Bon appétit. Merci. Merci. Vous avez l'habitude de goûter des piquillos farcis comme ça? Moi, je les aime bien farcis avec la brandade de morue. Ah oui, oui. Ouais, c'est vrai. Mais tu peux le faire aussi avec de la queue de taureau. Ouais, la queue de taureau. Une chose intéressante. Mais ouais. chaud alors. En chaud, oui. Et sans l'os de la queue. Et ça va très bien. José, donc c'est vous qui avez fourni ce jambon pour la recette. Il vient d'où? Celui-ci vient de Guijuelo, qui est un village du nord de l'Espagne, où on retrouve toutes ces forêts de chênes lièges, chênes verts, qui permettent l'alimentation et la vie de ces cochons, qui sont assez particuliers. C'est quoi l'alimentation des cochons? Herbes, escargots, feuilles, et à la saison des glands, quand les glands tombent de ces forêts de chênes lièges, chênes verts, ils les décortiquent eux-mêmes et mangent 7, 10, 15 kilos par jour. Et c'est ce qui apporte tout un processus et ensuite un goût au fur et à mesure de l'affinage. Et ce jambon, il a été affiné combien de temps? Celui-ci, il doit avoir 5-6 ans d'affinage. D'accord. Voilà, on est vraiment sur quelque chose d'assez exceptionnel. Et les piquillos, alors, comment on peut les caractériser? Alors, je ne veux pas être trop nationaliste, mais à mon avis, c'est le poivron le meilleur du monde. Il y a une tendresse presque sensuelle. Et c'est parfait pour être farci. Frédéric, l'arrivée des poivrons, je crois qu'ils arrivent du Nouveau Monde. Comment est-ce qu'ils arrivent en Espagne? Non, on sait, c'est le poivron va entrer en Espagne par Séville. Mais le plus intéressant du piment, c'est qu'il va assez vite rentrer dans les mœurs. Il va vite être accepté. On le voit apparaître sur beaucoup de peintures du siècle d'or, que ce soit de Velázquez ou d'autres. Et on le voit apparaître en Navarre en un texte très précis qui est un manuscrit écrit à Pamplune par un cuisinier de couvent. Et dans ce livre, on le voit apparaître de deux façons, qui va être le piment gardé dans le vinaigre et le piment utilisé pour parler vite, poivrer le jambon. Et là, on peut le considérer comme plus un piment ou un poivron? C'est un poivron. Un poivron, d'accord. Bon, celui-ci est particulièrement relevé. Oui, il est bien relevé. Mais celui-ci On a fait exprès. C'est peut-être un piquillo. Ouais, il s'est faufilé dans les poivrons, on va dire, là, celui-là. J'adore quand un plat s'est relevé. Ouais. Et chez nous, en Espagne, les plats sont plutôt relevés. Ouais, alors, j'oserais dire que Michel a été très espagnol. Voilà. Un compliment pour ce soir. Merci. Merci. Michel, je crois qu'il va être temps que je vais continuer à chercher à vous la suite. Le plat. Alors, je vais vous accompagner comme ça. Voilà, Manuel. La cuisine. Quelle belle cuisine. Belle, hein. Alors, la paella. C'est quelle sorte de riz? C'est un riz rond, un peu comme ce qu'on utilise pour le risotto. Oui, comme un carnaroli. Exactement, ou un arborio, ou des choses. Alors, voilà. Donc là, j'ai mis calamar, bien sûr, tomate, safran. Bon, en fait, c'est vrai. Ah, c'est joli. Je vais mettre la sauce. Merci. C'est génial. Tu vois ça dans la paella traditionnelle, c'est dans le fond. D'accord. C'est dans le sofrito, dans la base. J'en ai mis une partie dans la cuisson du riz, de la paella. C'est très très bon. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, ça va? Oh, c'est génial. On va y aller parce que c'est bien chaud et on va laisser. On va se régaler. Voilà. Waouh. Madame. Merci. C'est beau. Voilà. Merci. Ça a l'air bien, hein? Ouais. Ça a l'air très beau. Ça vous inspire? C'est très beau.
il y a une centaine de paellas, il y a un million de paellas dans chaque village, on a fait différent. Et une de mes préférées, c'est une paella faite dans la montagne de Alicante et qui est faite avec des escargots et avec du lapin. Des escargots qui ont des gros escargots blancs, un peu semblables à l'escargot bourguignon, et qui ont mangé du romarin. Il y a des paellas de montagne, il y a toutes sortes de paellas. Pourquoi est-ce que nous, en France, on a cette idée, toujours cette image de paella, moule, chorizo, poulet et calamar? Oui, c'est vrai, poulet, oui. La combinaison moule, chorizo... C'est pas possible. Ça va pas. Vous pouvez chercher dans n'importe quel livre de cuisine du monde. Ça n'existe pas. Et pourtant, elle est dégustée partout en France. En fait, ça vient du fait que ce qui va changer toute l'histoire de la paella en France, ça va être l'arrivée de la communauté pied-noir en métropole, qui avait développé une culture de la paella dans la région d'Oran. Il faut voir que la région d'Oran était surtout peuplée par des gens qui venaient du Levant espagnol, et qui va être une culture de la paella qui s'était un peu métissée, qui était une paella un peu pied-noir, et qui vont avoir cette relation un peu différente avec l'idée de mettre du chorizo dedans. Donc la paella, en France, elle est plus algérienne qu'espagnole, finalement. Ça dépend des zones, c'est-à-dire que vous avez des zones de contact comme le sud-ouest plus atlantique, où sont arrivés des immigrés espagnols avec la guerre civile, avec tous les phénomènes qu'il y a pu avoir, aussi l'immigration économique, où la paella va être avec des racines un peu plus espagnoles. Oui, mais est-ce que ça donne carrément des disputes à table entre justement les défenseurs de tel ou tel... Comme c'est un plat d'identité, qui dit identité dit conflit. Et qu'il peut exister des conflits très forts entre, déjà on a une tension entre Valence et Alicante sur certains types de riz, et vous allez rentrer dans le moindre village, ce que l'on peut retrouver dans le midi toulousain avec le cassoulet, où personne ne sait bien le cassoulet, excepté sa propre mère. On est toujours dans ces secteurs de... Mais c'est quand même un plat de fête. C'est un plat qui, à la base, est un plat de travailleurs et qui va devenir festif. Ah, qui ne l'est pas et au c'est très simple, d'accord. C'est que la paella comme telle, c'est du riz qu'on va cuire dans une poêle, pour parler de façon très schématique. Tout ce qui va faire la différence entre une paella et l'autre, c'est ce qu'on rajoute. Et par exemple, aujourd'hui, cette paella de Michel est très intéressante parce qu'avec le homard, on rentre dans une tradition de la paella qui est apparue dès le 19e siècle à Madrid et dans les grandes villes. Les élites vont s'emparer de la paella et vont faire une paella très différente des paellas valenciennes. On va mettre de tout dedans. Quand je dis de tout, c'est du homard, c'est du filet de bœuf dans la même paella. Des cuisses de grenouille, de tout. C'est le dessert, là ? Pas évident. Hein. Non, c'est pas... Il y a du miel, il y a de l'amande... Miel, amande, le mélange des deux, qu'est-ce que ça fait ? Un plat de fête à Noël en Espagne, c'est fait avec... Ça pourrait être du touron. Bravo. Voilà, c'est du touron en glace, donc avec, bien sûr, tous les éléments du nougat, avec les amandes, du miel. Le touron, c'est vraiment un dessert de fête, hein, c'est ça ? Le touron réussit à s'imposer assez vite dans le paysage alimentaire des fêtes de fin d'année en Espagne. On a des témoignages où certaines villes disent qu'au moment de la fin d'année, au moment de Noël, on va... C'est pas vraiment offrir, parce que c'est une partie du salaire, des fois, qui passait en touron. Il y avait une partie en argent et une partie en touron. Mais c'était parce que le prestige du touron se rajoutait. Et très vite, il va être assimilé aux fêtes. Comment ça se traduit, du coup, les fêtes de Noël? Est-ce qu'elles se passent un peu différemment? Ah oui, chez nous, nous avons l'habitude de boire... le champagne, notre champagne, le cava, à la fin. Et avant le toast, on mange 12 raisins avec les 12 sons du clocher. Comme les 12 mois de l'année, les 12 apôtres, c'est ça. Et comme c'est des gros grains, puisqu'en général, c'est fait avec des raisins à l'édo, comme ça, ce n'est pas forcément facile. Essayez de manger 12 grains, pratiquement en 12 secondes, c'est à peu près ça le toast. C'est très difficile. Oui. Et bien, nous, on va faire la tradition espagnole, même s'il n'est pas tout à fait minuit, on va porter un toast. On n'a pas les 12 raisins. Non, on va éviter.